c'est un polar, et donc il va y avoir un petit peu de... peut-être des morts, peut-être des disparitions. Notre personnage principal, c'est Julie Gayet, Victoire. Bruno de Brandt, qui est un ami d'enfance de mon épouse. Je t'ai jamais oublié, Victoire. Il y a moi, le mari. Bien. Et il y a la femme de Bruno, Marie Dompnier. Donc en fait, c'est deux couples. Ils viennent en province pour avoir une vie un petit peu plus calme. Mais ça va pas du tout se passer comme ça. J'ai envie d'être avec toi tout le temps. Qu'on se réveille dans le même lit le matin. Et qu'on puisse se balader dans la rue librement. Qu'on arrête de mentir. Mon épouse et son amie d'enfance ont une petite relation, une ancienne histoire d'amour, on va dire, qui renaît. Aucune trace de la conductrice pour le moment. La conductrice ? Marion Maléval, la propriétaire de la voiture. Ils subissent quelque chose qui arrive. La disparition de Marion. Est-ce que c'est elle qui est partie ? Est-ce que c'est son mari qui l'a fait disparaître ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est Victoire, mon épouse ? Un petit peu les bases du polar, quoi. Mais ce n'est pas qu'un polar. C'est un polar et une grande histoire d'amour. Attends, c'est n'importe quoi, non ? On n'a plus 15 ans, on a nos vies. On va beaucoup mentir. Il y a beaucoup de non-dits. Tu fais quoi ? Quand je l'ai lu, je me suis fait avoir plusieurs fois. Je cherchais le gaufrier, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que ça m'a plu directement. C'est ton téléphone ? De quoi tu parles ? On a entendu vibrer, là, non ? Non, pas du tout. Alors, c'est très agréable à jouer, et en même temps, il faut faire très attention, parce que... à des moments, il faut se dire, attends... Donc, dans cette scène, par exemple, qu'est-ce que les gens savent, et qu'est-ce que les gens ne savent pas encore ? Pas nécessaire. Mon personnage, il est super amoureux de sa femme, de sa famille. Merci. Et il est prêt à beaucoup de choses pour préserver son couple son clan. Et il a les moyens de pouvoir les protéger. Et il va utiliser tous les moyens possibles. On découvre en fait qu'il peut avoir d'autres facettes. Mais a priori, quelqu'un d'agréable, de plutôt sympa. D'ailleurs, si vous voulez rester dîner... Bien sûr. Il suffit de rajouter deux couverts. Bah oui, enfin, ce sera toujours mieux que de rester seul. Et donc, en fait, c'est comme un film en six parties. Ça permet d'avoir beaucoup de personnages. Les personnages principaux peuvent être plus développés que sur un 90 minutes. On peut plus tirer dans la verticalité des personnages, et pas que sur l'horizontale, sur la surface. Donc ça, c'est pas mal. J'ai très envie d'y aller. Bah pourquoi ? C'est l'occasion de rencontrer des gens. Tu parles des gens ? Des parents d'élèves qui vont passer l'après-midi à me parler de leurs enfants. Non, mais c'est toi qui arrêtes pas de dire qu'il faut qu'on fasse un effort si on veut se faire des nouveaux amis. Ce dont on a vraiment parlé avec le réalisateur, avec Julie, parce qu'on a travaillé pas mal en amont, donc ça c'était agréable aussi. On a commencé à bosser sur des petits noms. Tiens, ça fait quand même 18 ans qu'ils sont ensemble. Victoire, moi je l'appelle V. Moi je suis Samuel, ça veut dire Samy. Il y a des... Voilà, c'est des petites choses aussi, même corporelles. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on trouve et qu'on travaillera même, et qui peuvent se trouver même sur le plateau. Cette intimité tout d'un coup qui se refroidit. Qui se réchauffe, qui est machin, qui voilà. Donc, c'est tous ces allers-retours qui sont intéressants à trouver. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas arrêté de penser à plein de choses. Ce dernier temps avec Marion, c'était dur. Je pense pas qu'elle se doutait de quoi que ce soit. Mais quand je lui ai annoncé que je voulais la quitter. Ouais. Elle est devenue violente. Lionel Bahut ? Moi, je trouve qu'il décrit bien, quoi. J'aime bien. Je trouve qu'il aime bien avoir des personnages qui sont un peu compliqués, qui sont un peu doubles. On ne sait pas qui est qui. Et donc, il est fort là-dessus. Tout le monde soupçonne tout le monde.